Hey guys, alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une journée type. Donc là, vous voyez, il est 4h du matin, donc il fait nuit noire dehors. Donc là, moi, je viens de me lever, j'ai fait mon petit tour dehors. Et puis, je regarde mes mails. Ici, vous voyez, c'est la fin du mois, donc je vais télécharger le monde diplomatique. Je vais ensuite prendre mon petit déjeuner. Et puis on va se préparer pour aller faire une randonnée. On décolle en général entre 5h et 6h du mat pour aller faire la rando. Alors tous les matins, je prends un verre d'eau tempérée. Ensuite, je vais me bleu à neuf. Moi, je mets tout d'abord. J'ai une gueule d'un œuf. Et après, je me fais souvent des œufs durs. Et après, on se prépare à le manger pour le rando. Alors pour le lunch, je me fais purée de pommes de terre, œufs durs, mayonnaise maison. Comme ça me fait un peu de salé si j'ai des prunes, des petites nectarines. Ici, dans une maison, on a trouvé quelqu'un qui faisait des pailles piche, donc des tartes à la pêche. On a trouvé aussi des super légumes du jardin, des tomates qui ressemblent à rien du tout, un pamplemousse aussi, et puis des super cerises du jardin. Donc une fois qu'on est prêt habillé, là on prépare tout. On vérifie bien qu'on ait tout de l'eau en quantité, avec ici le camelback qui est prêt. Mon paire de jumelles que j'ai toujours avec moi, le pied pour filmer. Ça c'est tout ce qui est cacahuètes. Ça c'est pour me donner les sneakers de coup de boost. Les barres beauty sunny dont j'ai déjà parlé. On prend dans la voiture les bouquins sur les arbres, sur les mammifères, sur les oiseaux, sur les fleurs sauvages, comme ça autour du hike, on regarde tout de suite ce qu'on a vu, ce qu'on a pris en photo. Et puis c'est tout, nous voilà partout. Nos maps, on n'oublie pas non plus nos maps. Alors ça c'est la map après une semaine de rando déjà. Donc il n'en reste plus grand chose. Donc là il est 3h, on a fini nos randonnées, on est rentré, on a pris une douche et maintenant ça va être le moment d'un petit repas en fait. On a mangé léger, moi j'ai mangé léger au bord du lac là aujourd'hui vers midi et là je vais manger un peu plus consistant sur les coups de 3h, 4h, 5h, ça dépend quand est-ce qu'on rentre. Et le soir on mange un truc hyper light. Système de douche à l'intérieur et sinon on a un système de douche dehors là. Je vais regarder pour essayer de l'accrocher quelque part dans la forêt mais je n'ai pas trouvé, donc c'est pas grave hein. On improvise, on le met sur le toit de la voiture, il prend la chaleur, ça peut très vite monter, ou alors pour monter encore plus vite il suffit de le mettre sur le tableau de bord. Et puis donc voilà, on prend la douche ici là. Hop. Et face à nous, voilà, le Mont Hoods. Toujours arroser les belles plantes. Alors une fois qu'on a terminé un parc comme celui-là, là, donc le 39 Les Scènes Volcaniques, ils m'ont allumé sa petite pastille, son petit sapin vert. Et donc là, la prochaine étape, c'est 14 Crater Lake.
Et une fois qu'on a terminé, on va aussi prendre une carte propre parce que l'autre est complètement défoncé. Et tous les hikes du parc que l'on a fait, on les surligne. Ce qui nous permet, si un jour on revient ou si on veut se rappeler où c'était, ben, d'avoir en mémoire papier tous les trails qu'on a pu faire. Petit apéro dînatoire dans un petit coin pourri.